En fait, je me tiens bien parce que si je m'étais mal tenu la dernière fois, j'attrapais mon guéridon par le col et je mettais deux tartes dans la gueule. Et je voyais faire caca sous lui, parce que ça m'est déjà arrivé. Attraper des mecs par le col de ce système-là. Donc, Billy. Je l'ai attrapé, j'ai mis deux barres dans la gueule, il a pété. J'ai entendu faire prout. C'est-à-dire qu'il faisait, quand il a la trouille, il aurait pu faire caca. Bonsoir, qui est là? Plus personne. 01 34 12 22 de bonsoir. Allô? Oui. Oui, bonsoir, donc Julien. Moi, je voulais revenir parce que là, on s'est un petit peu écarté du débat, il me semble. Donc, Non. C'est dans une discussion, tu sais, on va à droite, à gauche, parfois, on reste pas forcément dans le sujet pur et dur, on peut s'éloigner. Les rapports hommes-femmes sur Internet aussi, c'est une évolution dans la société. Ouais, pas faux, ouais. Donc moi en fait je veux revenir c'était sur le fait, je sais pas si vous vous souvenez en fait aux États-Unis, donc c'est un monde dans les années 60 je pense, c'était quand la femme qui a fait une émission sur la météo, je sais plus quand, on voyait ses genoux, du coup elle avait... Non c'était pas aux États-Unis, hein. C'était en France, c'était c'était en France, oui. D'accord, très bien, elle a été virée, tout ça. Mais après, par rapport à mai 68 aussi, enfin je veux dire, c'était... Il y a moins de tabous. C'était tous les gauchistes quand même... qui ont fait donc du coup un mauvais regard, je pense, sur la femme. Parce que non, au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect? Où y a-t-il plus de respect? Bah, dans notre regard, comparé à la femme. Ah bah, je sais pas, moi je connais beaucoup de gens qui ont beaucoup de respect, moi-même j'ai beaucoup de respect, oui, elles me le rendent bien la plupart du temps, donc... Entre nous, Guéridon, ça ne te déplaît pas quand même de voir une fille en bikini? Mais je sais pas, ça dépend de la fille, ça dépend de comment elle est. J'ai pas besoin pour apprécier une femme, j'ai pas forcément besoin de la voir en bikini, parce qu'à la limite, peut-être une femme bien habillée est tout aussi évocatrice que la fille qui est en bikini. Il y a des hommes qui disent, mais attendez, pourquoi on nous montre tout de suite des femmes nues? Moi, je préfère les voir habillées avant pour me préserver de la surprise que sera le corps de cette femme avec laquelle j'aurais sympathisé. Pourquoi tout de suite tout montrer? Mais où le respect d'abord, parce que moi je sais pas, je pense que le regard des gens il a changé comparé sur la femme et tout, il y a plus de respect. Bah écoute, c'est peut-être ton avis, moi je pense qu'en effet il y a des gens qui sont irrespectueux, mais ça de tout le temps, il y a eu des gens irrespectueux puis d'autres qui l'étaient. Maintenant je pense pas qu'on ait fait de sondage là-dessus pour savoir s'il y a moins de respect. Je sais pas du tout. Il faudrait que ce soit des femmes qui nous disent ça, parce que c'est bizarre que ce soit un homme qui nous dit il y a beaucoup moins de respect sur la jante féminine. Ça serait plutôt aux femmes de confirmer que en effet elles trouvent qu'il y a beaucoup moins de respect de la part des hommes. Mimi, toi qui es une femme, est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup moins de respect, a priori, globalement, sur la gente? Je suis une femme, tu as raison. Ouais, jusqu'à présent. C'est ma femme. Je voulais dire tout simplement que le respect, ça se porte de soi-même. Je crois pas que, pour moi, personnellement, avec le caractère que j'ai, je pense pas que je permette à quiconque de supposer que je... ou de lui donner la permission de me manquer de respect. Avec mon caractère, je ne supporte pas que quelqu'un me manque de respect. Ça, non, parce que déjà, tout est respectable sur moi. Et en plus, quand je parle, et alors là, je ne vois pas pourquoi je lui donnerais l'occasion de ça. À moins qu'il y ait des personnes qui se comportent, qui donnent une petite ouverture, alors là, c'est autre chose. Et moi, je donne pas l'ouverture à quelqu'un qui va me manquer de respect. Ouais, mais Mimi, après, avec toutes les racailles aussi qui permettent d'insulter toutes les filles dans la rue, enfin, je veux dire, est-ce que tu donnes ta permission, je pense pas que tu irais vers la racaille qui t'insulte pour dire, je vous donne pas permission d'insulter et de manquer de respect, par exemple. Mais et d'abord, il n'a pas le droit de m'insulter. Et deuxièmement, s'il le ferait, je lui réponds du tac au tac, et puis je lui envoie le même poids de manque de respect, et puis c'est tout. Donc, oui, tac au tac, quoi. Tac au tac. Mmh. Ah, bon. Bien raison. Je sais pas, j'ai parfois le silence est le meilleur des mépris. Oui, mais des fois, ça dépend le degré de la personne, donc il faut la mettre en place, hein. Ouais. Et quand c'est en public, c'est encore mieux. Hein. Ah oui, ça fait plus mal. Mais il faut savoir piquer, comme on dit là. Il faut savoir lancer ses fesses quand il faut, hein. C'est une chance pour la France.
De quoi donc? Non, je vais rigoler, c'est une petite blague. Mm. Par rapport à quelqu'un qui insulte. Oui. Ok. Une petite conclusion? À toi la conclusion maintenant. Ouais, bon. On s'y attendait pas. C'est con, hein, on s'y attendait pas. Je dis, vous êtes reconnaissable à 150 mètres, même à 3000 mètres, vous êtes reconnaissable. Le bois, il était bien au début, mais là, je sais pas pourquoi il a merdé comme ça. Je sais pas pourquoi, mais moi, je sais. Hein. Je te donnerai l'exemple. C'est dommage. Je te ferai un dessin. 01-34-12-12-22, bonsoir, qui est là. 01-34-12-12-22, bonsoir, qui est là. C'est triste d'attendre tout ce temps pour finalement se faire scratcher. Mm. 01-34-12-12-22, bonsoir. Au revoir. 01-34-12-12-22, bonsoir. Bonsoir. Oui. Oui, du coup, moi j'aimerais donner mon avis sur la relation homme-femme. Oui, ton prénom? Adrien. Oui, nous t'écoutons. Moi je trouve que là, vous mettez trop la femme en victime. Alors, c'est-à-dire que l'homme, lui, pour moi, la femme se doit être belle. Non, au revoir. C'est dur de jouer un sketch hein, quand on n'est pas comédien, qu'on n'a pas de talent, et puis qu'en même temps on lit les conneries que disent les potes. Voilà, c'est dur. C'est un métier de faire rire. 01-34-12-22, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Vladimir de Paris. Vladimir. Mmh. Oui, bonsoir. Alors, tu peux parler un peu moins fort dans ton téléphone, s'il te plaît. Ah, pardon, excusez-moi. Ça sature un peu. C'est mieux là? Oui. Oui. Alors, moi, je vous appelle. Je vous ai entendu parler d'internet tout à l'heure. Alors, moi, je fais des rencontres beaucoup sur le portable, des applications comme Tinder. Mm-hmm. Et j'ai rencontré vraiment pas mal de filles. Pas mal. Ouais. Pas mal. Et non, mais c'était des bonnes relations quand même. C'était cool. Hein. Et puis j'ai rencontré Ariel, quoi, qui est devenue ma femme. Mmh. Et voilà, ça veut dire que tu vois, c'est possible, contrairement à ce que tu disais, tu vois, je l'ai fait rêver, avant de la demander en mariage, je l'ai emmené à l'hôtel Europe, on s'est éclaté, c'était cool, quoi. C'est marrant, ça fait deux fois qu'on nous parle de l'hôtel Europe ce soir. Ah ouais? Ah ouais, c'est bête. Hein. Merci d'avoir appelé. 01-34-12. Ouais, ils donnent les mêmes endroits, les mêmes lieux pour faire les blagues. Ils peuvent changer un peu. 01-34-12. Mais demande pas l'impossible, Billy. Cool. Ah, moi je leur donne un 01-34-12-12-22. Mais ça fait longtemps qu'il n'y a plus d'espoir. Ah. Il n'y a plus d'espoir. 01-34-12-12-22. Bonsoir. Oui, maintenant que les choses sont un peu apaisées. Moi... Non, il n'y a rien qui s'est apaisé. 01-34-12-12-22. Bonsoir. Bonsoir. On t'écoute. J'aimerais surtout parler du fait, enfin, ton prénom, de l'amitié homme-femme ce soir. Oui, excuse-nous, mais réveille-toi avant de nous en parler. 01-34-12-12-22, bonsoir. Bonsoir. Oui. Au revoir. 01-34, faut être plus prompt à répondre. Hein. Voilà, quand on appelle, on est concentré sur son téléphone, on n'écoute pas Internet en même temps. 01-34-12-12-22, eh oui, c'est ça quand on appelle de province, qu'on n'écoute pas la radio directement par le RZ. Mmh. On sait que vous êtes en province. 01-34-12-12-22, bonsoir. Oui, bonsoir, Guérison. C'est Quentin, là, Marie. Oui, Quentin. Avant, quand tu disais que dans les années 70, c'était pas forcément le peuple qui avait une mauvaise vision de la femme qui était en jupe, quand tu parlais de la jupe avant. J'ai dit que c'était normal par rapport à l'évolution qui avait suivi ces événements-là. Oh là là là. C'est le couillon. Un de plus. 01-34-12-12-22, bonsoir. Bon. Bonsoir, Gary. Oui, mais c'est pas vite. Tu peux pas mettre une pause musicale, Noël Noblecourt, oui, c'est prévu.